Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une couverture de livre avec Canva. Tout d'abord, à quoi sert une couverture de livre sur Canva? Une couverture de livre sur Canva sert à créer une présentation visuelle attrayante pour votre livre. Elle peut être utilisée pour l'impression ou pour la promotion en ligne. En utilisant Canva, vous pouvez personnaliser votre couverture avec du texte, des images, des graphiques ou capturer l'essence de votre livre et attirer les lecteurs potentiels. Comment s'y rendre ou comment se connecter? Vous ouvrez votre navigateur. Moi, de préférence, j'utilise Chrome. Tapez Canva. Canva, entrée. Et vous cliquez sur la première proposition, le site web Canva. Je clique. Automatiquement, je suis dirigée sur mon compte Canva. Mais pour se connecter, vous cliquez sur le bouton « Se connecter » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Vous pouvez connecter en utilisant votre compte Google, Facebook, Apple ou en entrant votre adresse mail et votre mot de passe si vous avez déjà un compte Canva. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en cliquant sur « S'inscrire » et en suivant les instructions. On va créer une couverture de livre avec Canva. Nous allons sélectionner « Créer un design ». C'est un design juste au coin supérieur droit de la page d'accueil. Je clique. Choisissez le format couverture livre. On va chercher. S'il n'est pas parmi les propositions, vous cliquez « Couverture de livre ». Entrée. Là, vous pouvez choisir « Couverture de livre »,« Livre créatif »,« Noël »,« Chimie »,« Recettes »,« Fantaisie »,« Fiction ». Jusqu'en bas, vous avez un large choix. Je vais cliquer « Couverture de livre ». Ajoutez votre titre, votre sous-titre et le nom de l'auteur en utilisant les outils de texte. On attend le chargement. Juste à droite, vous avez ces modèles. Quel type de couverture souhaitez-vous utiliser? Explorez les modèles préconçus ou commencez à partir de zéro. On va en créer. On va ajouter des éléments. Ici, il y a beaucoup d'illustrations. Je vais l'agrandir, là, afficher tout. Ici, il y a un générateur d'images par IA. Vous pouvez générer la vôtre, ouvrir, description en 5 mots ou plus. Là, j'ai mis un exemple. Donc, on attend. On vous a proposé ces 4 photos. Je vais ajouter un arrière-plan, celle-ci. Voilà. Je reclique l'élément. On va ajouter maintenant un texte. Je vais noter. Là, on est en train de personnaliser. On va mettre le titre. Je vais sélectionner. Et ici, il y a des combinaisons de police. Je vais le glisser pour personnaliser mon livre. C'est une couverture. Je vais le glisser. Voilà. Je clique. Je vais le mettre là et vous pouvez modifier le numéro de téléphone, votre adresse mail. Donc là, on a pu créer une couverture, juste un exemple. Vous avez aussi la possibilité d'importer des images pertinentes ou utiliser celles disponibles dans la bibliothèque Canva. Vous cliquez sur « Importer ». Ici, on vous propose des images. Si vous souhaitez importer, vous cliquez sur « Importer des fichiers » et vous choisissez ce que vous voulez et vous cliquez sur « Ouvrir ». Après, vous attendez le chargement. Une fois que le téléchargement est fait, vous n'avez qu'à cliquer la photo et le glisser juste comme ça. Et voilà, personnalisez la mise en page, les couleurs, les polices pour correspondre à votre style. Une fois satisfait de votre couverture, téléchargez-la au format souhaité. Je recommande JPEG ou PNG ou PDF. Je clique partager, télécharger la JPG ou PDF standard ou PDF pour l'impression ou JPEG. Vous pouvez aussi partager ou copier le lien, mais en modifiant juste le paramètre, celle-ci, quiconque ayant le lien. Et voilà.